Je salue cette initiative qui a été prise de pouvoir, autour d'un formateur, réunir des élus du territoire local, on va dire, puisqu'on est tous sur la région centre, et pouvoir partager ensemble un vécu, réfléchir ensemble sur ce que peuvent être demain les politiques de la ville portées par les communes à travers des décisions nationales. Non, ce que je veux, moi je veux saluer l'action de Ville au Carré, je crois que c'est important d'accueillir les participants de la région, ça montre l'intérêt de la région pour le travail qui est fait et puis pour le thème de débat, les petites villes et les villes moyennes. C'est une vraie dynamique d'animation du réseau, on n'a pas forcément l'occasion d'échanger beaucoup entre nous et voilà, le centre de ressources apporte une vraie plus-value à ce niveau-là. On échange sur des thèmes d'actualité, sur des problématiques qui nous préoccupent sur nos différents territoires et à ce titre-là, ça nous apporte vraiment beaucoup. En fait, le centre de ressources joue un rôle de veille sur l'ensemble des thématiques sur lesquelles on doit travailler qui nous facilite aussi beaucoup notre travail. La richesse des échanges, je crois que c'est très important. Je sais qu'on est souvent assez isolés les uns et les autres dans nos territoires. Donc de pouvoir échanger, voir un petit peu comment on se situe par rapport aux autres, les autres par rapport à nous, et comment on peut échanger sur nos pratiques, c'est quelque chose de très intéressant. Je dirais qu'il y a un premier apport qui est le fait de pouvoir échanger avec d'autres coordonnateurs de gestion urbaine de proximité sur des thématiques qui nous sont communes, et donc de faciliter les échanges en fait, entre territoires. Possibilité qui nous est donnée de valoriser nos pratiques locales, notamment par le biais de formations, de journées d'échanges thématiques. Et enfin, je dirais qu'il y a un outil intéressant que vous développez par le biais du site internet qui nous permet d'avoir des accès rapides aux comptes rendus et de les diffuser auprès des partenaires.